Bonjour tout le monde, ici Le Envol qui est là pour une nouvelle vidéo, l'épisode 14 de la saison 2 de The City. Et aujourd'hui, on va présenter plusieurs modes. Deux petits modes très sympas qui sont la minimap version 3 par MX Goldo et Waypoint for 0.12.1. Je ne connais pas le nom du développeur, créateur du mode préféré du ou des. Alors ensuite, nous allons aussi présenter... Enfin, montrer plutôt rapidement un mode de fournitures que vous risquez de voir très souvent puisque je vais l'utiliser pour la The City tout simplement. Voilà. Que ça permet de faire des maisons beaucoup plus sympathiques, mieux meublées, puis aussi des entreprises, hein, pourquoi pas. Alors le mode de fournitures, tout d'abord, c'est Dan Fournitures, hein, vous pouvez trouver pas mal de vidéos dessus qui expliquent très bien le mode. Ça ajoute 11 fournitures, enfin 11 meubles si vous préférez. Voilà, donc 11 nouveaux blocs qui sont en fait des meubles, voilà. Genre des petites tables, des petites lanternes, feu de camp, siège et un ordinateur. Voilà, donc ce sont des petites choses qu'ajoute ce mode. Ah, et puis aussi là, petit conteneur d'eau là. Alors ensuite, nous allons plutôt nous attarder sur le mode minimap que vous pouvez voir en permanence, qui est très pratique. Surtout pour des types, puisque ça permet de se repérer et de voir fur et à mesure l'extension de la ville, tout simplement. Hein. Donc, petite vidéo, j'espère que vous vous ennuyez pas. Donc, c'est pour dire, je vais en profiter du coup de faire des annonces. Hein, je présente des modes et j'en profite pour faire des annonces. Alors, plusieurs annonces, comme vous voyez, la chaîne aura de nombreuses nouveautés, comme annoncé sur le profil Google Plus de la chaîne. Ça a été annoncé en poste. Nombreuses nouveautés vont arriver, dont des tutos, et puis un nouveau projet, bien sûr, que certains ont suivi, qui est l'ouverture de la chaîne. Si vous préférez, le principe de l'ouverture, c'est ouvrir à, pour l'instant, à une personne que je ne connais pas IRL, mais que je connais par contre très bien sur Google Plus Compagnie. Généralement, des youtubeurs qui ont de l'expérience, qui sont membres de la French OpenCraft, c'est Sinkivan, celui qui fait partie. Qui devrait permettre de tester cette ouverture. Donc ensuite on verra si on ouvre plus large ou pas. Donc c'est purement une période de test dont on va entrer. Et puis alors certains vont se dire quel est l'intérêt d'ouverture. Donc déjà moi j'exige pas beaucoup de, honnêtement pas forcément une forte régularité de vidéo, même en quantité j'exige pas grand chose, même la qualité vidéo j'exige rien honnêtement. Par contre, l'avantage d'avoir plus de membres, c'est d'avoir une plus grosse variété de vidéos et d'assurer du contenu quand c'est les membres originels de la chaîne, les 4 fondateurs, ne peuvent pas faire de vidéos parce que ça peut arriver. Donc du coup, par contre, la condition, c'est quand on est... Toutes les vidéos qui sont faites sur notre chaîne, ça peut être des vidéos ou un concept de vidéo déjà utilisé. Par exemple, des vidéos sur un jeu, je sais pas... Par exemple, Sinkivan qui fait une série hardcore Minecraft, il peut en faire une sur, sur cette chaîne dès qu'il aura accepté la demande d'être membre de la chaîne. Voilà, il pourra en faire une. Par contre, toutes les vidéos devront être exclusives à la chaîne et ne devront pas contenir l'intro de la chaîne principale. Parce que sinon, on va avoir des problèmes avec YouTube de droit d'auteur. Donc, il faudra éliminer tout ce qui est droit d'auteur de la chaîne principale de la personne. Donc par exemple Sinkivan, bon il pourra continuer à s'appeler Sinkivan, mais il devra enlever tout le contenu qui est uniquement à lui dans ses vidéos, enfin dans les vidéos qu'il publiera sur la nôtre, parce qu'après sur sa chaîne il fera ce qu'il veut. Et après une fois qu'il a enlevé tout le contenu droit d'auteur, par exemple s'il veut mettre une intro personnelle qui est personnelle à lui sur notre chaîne, ben faut qu'il fasse une intro qui soit spécifique quand il fait des vidéos sur la communauté en French Gamers. Et qui garde du coup son intro ou genre tous ses Sinkivan pour sa chaîne à lui, parce que sinon il suffit juste qu'il y a un de ses membres de sa chaîne qui nous dit ouais t'as voulu la vidéo alors que c'est pas vrai puisque Sinkivan c'est lui qui l'aura publié lui-même, et puis voilà on se retrouve dans la merde. Donc pour éviter tout problème avec YouTube et compagnie, tous les contenus qui seront publiés sur notre chaîne par des membres qui ont une chaîne principale qui continue à publier devront différer dans le sens où ils ont ni l'intro ni leur intro ou outro, puis s'ils peuvent utiliser les mêmes musiques sauf s'ils nous autorisent à l'utiliser. Voilà, donc dans ces cas là ça peut passer. Donc il faudra, donc j'espère que je me suis fait comprendre hein.
Donc en gros, Sinkivan, s'il accepte, pourra publier des vidéos sur notre chaîne quand il veut. Des vidéos si possible exclusives, hein. Après, ça peut être sur n'importe quel jeu ou sur n'importe quoi, mais au moins qu'il essaye de les faire originales. C'est-à-dire que les membres de sa chaîne, s'ils pensent qu'on a volé, qu'ils vont voir sur sa chaîne, qu'ils trouvent pas la vidéo et qu'ils comprennent que c'est vraiment Sinkivan et qu'ils disent bien que c'est un choix et non une obligation ou un vol commis. Voilà. Faut bien le préciser. Donc par exemple, si vous êtes membre de notre chaîne, que vous faites une vidéo, bah, il faut dire bonjour, c'est, enfin vous dites votre pseudo de là, et là vous dites de là Community of French Gamers. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il devra dire. Il dira bonjour ou salut. Enfin, il verra son expression. C'est Sinkivan qui fait une vidéo pour la Community of French Gamers, ou pourra dire s'il est membre, c'est Sinkivan de la Community of French Gamers. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long ces explications et que je me suis bien fait comprendre, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!